am I? Stay away from it. All you people talk about converting the Jews. Before this message is over, you'll see it's thus saith the Lord by word and by spirit. Amen. Israel be converted over the whole nation one night. Bible said so. But the gospel's not even to them. There's a few renegades that's out and so forth like that. They come in and outside the main body of Jews, they come in and get saved. That's true. I believe that with all my mind. But remember, as long as Israel's out of their nation, they cannot be saved. Now they are returning and they'll be saved all the whole nation in one day. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue ceux qui vont regarder cette vidéo que je suis en train de faire. Et je crois que les enfants de Dieu à travers le monde se portent bien en dépit du confinement qui contraint la quasi totalité de l'humanité dans les maisons. Je viens faire cette vidéo aujourd'hui pour toujours faire la même chose, à savoir encourager un frère, encourager une sœur à faire la chose juste. La chose juste aujourd'hui, c'est écouter la voix du septième ange à travers le ministère de l'heure qui est le ministère des bandes, à travers la voix du, donc l'écoute de la voix du septième ange, le septième ange qui a parlé en ce temps de la fin conformément à Apocalypse 17 qui dit, je cite, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc, je veux une fois de plus faire cette vidéo pour encourager un frère, pour encourager une sœur. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation assez inédite. Le monde ou le milieu du message est en ébullition. Est en ébullition parce que les gens sont déstabilisés par ce qui est en train de se passer. Davantage de gens sont en train de saisir la vision du programme de Dieu pour aujourd'hui et davantage de croyants se résolvent à écouter les bandes du prophète William Branham, surtout en cette période de confinement. Ce qui n'arrange pas les choses de beaucoup de gens que je ne vais pas citer. Oui, parce que les gens sont aujourd'hui reclus dans leur maison, tout le monde d'ailleurs, hein, que ce soit les brebis, les pasteurs, les prédicateurs, tout le monde est dans les maisons. Bon, naturellement, il y en a, ils sont libres, qui ont décidé d'avoir d'organiser des services en ligne pour atteindre les fidèles dans les maisons. Moi, j'ai le souvenir d'il y a quelque temps que les gens disaient non, des ministres disaient voilà, oui, l'écoute des bandes c'est bien, mais il faut écouter les bandes dans les maisons. Mais il est surprenant qu'aujourd'hui, bon, maintenant que les gens sont dans les maisons, au lieu qu'on encourage les enfants de Dieu à écouter les bandes, ne serait-ce que pendant cette période de la fermeture provisoire des églises à cause d'un virus, on organise encore des services en ligne pour poursuivre les gens jusque dans les maisons. Bon, moi je ne suis pas contre cela. Si quelqu'un se sent conduit à le faire, il est libre de le faire. Est-ce que c'est mal? Je dis non. Et peut-être qu'ils ont le droit de le faire et moi je respecte cela. Qui suis-je moi pour leur dire que ce n'est pas la chose à faire? Mais je sais que dans les maisons aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ont compris et qui comprennent qu'ils peuvent fédérer tous les membres de la famille autour de la voix du septième ange. Et comme je le dis souvent, Élie est chez la veuve de Sarepta maintenant même. Et il est en train d'instruire la veuve et que la veuve n'a besoin de personne entre Élie
Et elle, pour lui expliquer ce qu'elle est, Élie est en train de lui dire. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit que la veuve, déjà Frère Branham dit que Dieu avait envoyé Élie chez la veuve de Sarepta pour aller la soutenir. Et Frère Branham ajoute que la veuve de Sarepta était une femme du même calibre qu'Élie. Donc quand Dieu suscite un prophète, il suscite des gens de son calibre pour pouvoir l'écouter et comprendre ce qu'il dit sans nul besoin de qui que ce soit pour expliquer à ces gens ce que le prophète est en train de dire. Et nous pouvons trouver donc l'explication de cela dans l'exposé des âges de l'Église en page 149. Quand Frère Branham dit que chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Donc, si tu as la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'expliquer ce que le messager dit. Absolument pas. Naturellement, c'est quand on rappelle ce genre de choses qu'on dit qu'on est contre les ministres, qu'on ne veut pas que les ministres prêchent et tout ce qui va avec. Moi, je ne veux pas me rendre coupable d'une telle chose et je pense que je vais m'étendre là-dessus dans un instant. Donc, je suis ici pour encourager un frère, encourager une sœur en cette période-ci à apprendre ou à s'habituer à écouter le prophète William Marion Branham parce qu'il a dit « Je suis la voix de Dieu pour vous ». Il est la voix de Dieu pour nous aujourd'hui. Mais nous constatons le tumulte parmi les peuples, parmi les croyants, parmi les serviteurs de Dieu. Voilà, les gens se fendent des discours, des paroles, des déclarations tapageuses et autres. Mais pour essayer de réduire à néant le ministère de Dieu qui est le ministère des bandes. Oh, mais je pense que c'est une aventure périlleuse pour quiconque décide ainsi de se lever et de tenter de mettre à mal le ministère de Dieu. D'entrée de jeu, je vous dis déjà que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. S'attaquer au ministère des bandes, c'est comme se mettre en travers de la route de cette pierre qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main. Vous serez écrasé. Malheureusement, vous serez écrasé. Il ne restera rien de vous. Tel se lève à gauche, il donne sa pensée. Tel autre se lève à droite, il donne sa pensée. Mais quelle est la raison de ce tumulte? Pourquoi ce bruit parmi les peuples? La réponse à toutes nos questions se trouve dans les bandes. Et je m'en vais lire une citation, une déclaration de Frère Branham qui dit ceci. Dans le serment « The manifestation of thy resurrection »,« La manifestation de ta résurrection », prêché, la date c'est 54-08-09, prêché au soir. Voici ce que dit Frère Branham. « Pourquoi tout ce bruit? Vous savez, là où se trouve Jésus, il y a toujours un peu de bruit. » Un peu de remue-ménage. Pourquoi? C'est la vie qui entre. La vie amène le bruit. Voilà ce que dit Frère Branham. Je répète, pourquoi tout ce bruit? Vous savez, là où se trouve Jésus, il y a toujours un peu de bruit. Un peu de remue-ménage. Pourquoi? C'est la vie qui entre. La vie amène le bruit. Donc tout le bruit que vous êtes en train d'entendre, tout le tumulte, hein, toutes les gesticulations que nous sommes en train de voir, c'est parce que c'est la vie qui entre. La vie amène le bruit. Et cette vie entre par quel moyen? Ce Jésus aujourd'hui, c'est qui? C'est ce ministère, le ministère de Dieu, le ministère des bandes, qui est le ministère de William Marion Branham. C'est ce ministère qui amène la vie. Nous sommes là, on est en train d'observer des choses qui se passent. Celui-ci se lève, il dit que, parce qu'on accuse des frères de dire que on est contre les prédicateurs, on a dit que les ministres ne doivent plus prêcher. Moi, je vais être clair, et je l'ai toujours dit, pour ce qu'il me concerne. Déjà, moi, j'ai dit que si quelqu'un se lève pour dire que les ministres ne doivent plus prêcher, celui qui dit cela, c'est un fou. Je dis bien, il faut être mentalement dérangé
Je pèse mes mots et je les choisis d'ailleurs minutieusement. Il faut être mentalement dérangé pour dire que les ministres ne doivent plus prêcher. Il faut être fou pour interdire à un ministre de prêcher. Ça, très franchement, je le dis. J'ai toujours dit que personne ne dispose d'aucune écriture pour interdire à un ministre de prêcher. Parce que pour la petite histoire, même quand l'épouse aura quitté la terre, les ministres continueront de prêcher. Les prédicateurs continueront de prêcher même après que l'épouse aura quitté la terre. Parce que oui, il faut le dire, il y a des prédicateurs qui vont manquer l'enlèvement. Et pas seulement des prédicateurs, il y aura des membres d'église qui vont manquer l'enlèvement. Il y aura des églises entières du pasteur au dernier banc qui vont manquer l'enlèvement. Je ne le souhaite à personne, mais ça va arriver parce que c'est cela que dit la parole. Donc, je ne vois pas pourquoi on empêcherait les gens de prêcher. Parce que justement, même après que l'épouse aura quitté la terre, les gens continueront de prêcher. Et si un homme dit qu'il a un appel dans sa vie, qu'il aille prêcher, laissez les gens prêcher. Je vais lire une déclaration de Frère Branham ici. Les gens connaissent cela. Pour justifier ce que j'ai dit, quand j'ai dit que même après l'enlèvement, il y a les gens qui vont prêcher. On a posé la question à Frère Branham dans question et réponse sur les sceaux. Question numéro 16. On pose la question à Frère Branham. Qu'est-ce qui est arrivé aux croyants nés de nouveau qui sont dans les différentes dénominations, mais qui ne sont pas l'épouse de Christ? Qu'est-ce qui leur arrive? Frère Branham dit. Eh bien, je pense que nous l'avons expliqué tout à l'heure. Voyez, ils vont dans la tribulation. Ils sont martyrisés pendant la tribulation. Ils ressuscitent en dernier, après le millénium, pour être jugés. Voyez, en effet, la Bible dit que les autres vivants, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Ensuite, il y a eu une résurrection. Et c'est là que les deux ressuscitent, les justes et les injustes. Et ils ont été jugés par Christ et l'épouse. Il est venu sur terre accompagné de myriades de ses saints. Pas vrai? Son épouse. Frère Branham continue, dit, le jugement s'assit, les livres furent ouverts. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Il a séparé les boucs d'avec les brebis. Pas vrai? Ça n'avait rien à voir avec l'épouse. Elle était là, en train de juger avec sa reine. La reine et le roi, ensemble, il vint avec ses saints. Des dizaines de milliers le servaient, son épouse. Ensuite, le jugement s'assit et alors les brebis ont été séparées d'avec les boucs. Vous vous souvenez l'autre soir quand j'ai récité cette petite méditation pour vous faire comprendre la méditation du corbeau. Voyez, voilà. Frère Branham continue, il dit, non. On lui a posé la question, il répond, il dit, non. Ce sont là l'église, les gens qui sont dans des dénominations. Les dénominations qui sont des vrais chrétiens, qui reçoivent le message, mais qui ne le verront jamais. On a posé la question à Frère Branham, qu'est-ce qui est arrivé aux croyants nés de nouveau qui sont dans les différentes dénominations, mais qui ne sont pas l'épouse de Christ? Qu'est-ce qui leur arrive? Donc au paragraphe 202, Frère Branham répond, il dit, non, eux ce sont là l'église, l'église, les gens qui sont dans les dénominations, qui sont des vrais chrétiens, qui reçoivent le message, mais qui ne le verront jamais. Ils reçoivent le message. Frère Branham est précis. Les gens qui sont dans les dénominations, qui reçoivent le message et qui ne le verront jamais. Mais qui ne le verront jamais. Il continue, dit, il ne leur sera jamais prêché. Le message ne leur sera jamais prêché. Point. Mais ils ont reçu le message. Ils sont dans les dénominations, mais le message ne leur sera jamais prêché. Il continue, dit, Frère Branham dit, et ceux qui sont dans des groupes mixtes, virgule, et à qui le message, et à qui il est prêché. Il mis pour qui le message? Il, d'ailleurs, lettre capitale. Le pronom est en majuscule. Donc, il monte ici, il dit, il y a ceux qui sont dans les dénominations, qui reçoivent le message, mais le message ne leur sera jamais prêché. Il dit ensuite, il y a ceux qui sont dans des groupes mixtes, virgule, et conjonction de coordination, ceux à qui il est prêché, ceux à qui le message est prêché, virgule, Frère Branham dit, cela leur passera complètement au-dessus de la tête, à moins que leur nom ne soit dans le livre de vie de l'agneau. Point. Oui. Point. Mais ce seront de bonnes personnes. Je m'arrête là. Des gens à qui le message est prêché, la chose leur passera par-dessus la tête.
des gens à qui le message est prêché, la chose leur passe par-dessus la tête. La question est de savoir quelle est cette chose. Il ne suffit pas seulement de dire nous croyons au message, nous prêchons le message, voilà nous prêchons, nous croyons le message, nous prêchons le message, donc nous serons l'épouse, nous serons enlevés. Non, 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 non. Il y a des gens à qui ce message est prêché, ils vont manquer ça. La chose leur passera par-dessus la tête. Si vous lisez la suite au paragraphe 203, il dit, Frère Branham dit, et ils seront ressuscités et passeront en jugement. Ils seront jugés par le groupe même qui leur aura prêché. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc, c'est des gens qui vont manquer l'enlèvement. Alors, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que, bon, je veux toujours, comme j'ai dit au début, venez encourager un frère à faire la chose juste. Mais il se trouve qu'il y a des esprits qui s'élèvent aujourd'hui pour décourager les gens d'écouter les bandes. Il y en a qui vont jusqu'à faire, bon, une fois de plus, c'est leur affaire de faire des sondages juste pour chercher à savoir, prendre la température des enfants de Dieu dans les maisons, puisqu'il y en a qui ont dit que non, ils étaient là pour réchauffer, il y a que eux qui peuvent réchauffer les enfants de Dieu, il faut les surveiller, il faut les suivre dans les maisons. Parce que pour eux, ils pensent que les bandes ne peuvent pas réchauffer les gens. Il faut que nous comprenions une chose. Plutôt que de faire dans des accusations stériles, pour accuser des frères parce qu'ils encouragent l'écoute des bandes, qu'ils sont contre la parole, qu'ils sont contre, je ne sais pas moi, les ministères, contre Éphésiens 4, 11, contre le quintuple ministère, il faut qu'on arrête avec ces enfantillages. À nos âges, on devrait arrêter avec ce genre de choses. Je disais tout à l'heure que même après que l'épouse aura été enlevée, les gens vont continuer de prêcher. Les ministres vont continuer à prêcher. Parce que Frère Branham dit dans l'exposé des âges de l'église qu'il y a des gens qui vont garder leurs églises, les portes de leurs églises ouvertes avec l'excuse de servir Dieu à l'intérieur du système œcuménique. Ces prédicateurs-là vont prêcher. Alors, qui a le pouvoir d'empêcher un ministre de prêcher? Si Dieu vous a appelé, faites ce à quoi il vous a appelé. S'il t'a dit, va prêcher l'évangile, va prêcher, qui va t'interdire? S'il t'a dit, va baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, va les baptiser. S'il t'a dit, va plonger les gens à l'avant, va les plonger dans l'eau à l'avant. Moi, je n'ai jamais dit qu'un ministre ne doit plus prêcher. Je n'ai pas le pouvoir de le faire. Et devant cette caméra, je défie quiconque. Je dis bien, ce n'est pas dans ma nature de parler comme ça, mais je le dis. Je défie tout individu de sortir, de produire une seule évidence, une seule preuve. La plus infime des preuves, une vidéo, une publication sur le net montrant, prouvant que moi Fernand, j'ai déjà dit une seule fois que les prédicateurs ne doivent plus prêcher, que les ministres ne doivent plus prêcher, que les ministres doivent s'asseoir, qu'Éphésiens 4 doivent s'asseoir. Je défie quiconque de produire cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est à quoi on assiste, c'est quoi? Nous avons un prophète au milieu, nous avons Joseph Branham qui est en train de parler. Il s'adresse au monde entier. Lui-même a dit, c'est là, il ne parle pas en cachette. Il a dit que je suis le ministre le plus suivi aujourd'hui. C'est là. Si vous n'avez pas cette partie où il dit ça, moi je peux produire ça. Il a dit qu'il est le prédicateur le plus suivi aujourd'hui. Les gens le suivent de partout. Vous le savez, tout le monde le sait. Joseph ne parle pas en cachette. Ce que Joseph dit, c'est sur la place publique. Il a dit que le perfectionnement de l'épouse, c'est par l'écoute de la voix du septième ange. Il l'a dit. Ça se trouve là sur Internet. Il a dit que le quintuple ministère doit jouer les bandes. Ça se trouve là sur Internet. Il a dit que le vrai quintuple ministère, il a dit qu'il y a un vrai quintuple ministère, il y a un faux quintuple ministère. Et il a dit, je suis heureux de faire partie du véritable quintuple ministère. C'est lui qui garde la voix du septième ange devant les gens, c'est lui qui joue les bandes. Ça se trouve là sur Internet. Il a fait encore beaucoup de déclarations et tout le monde est au courant de ces déclarations. Mais aujourd'hui, les prédicateurs pratiquent la politique de l'autruche. Ils prennent la tête, ils mettent ça dans le sable pour ne pas voir la réalité en face. Au lieu de vous attaquer ouvertement à Joseph Branham, vous vous attaquez à des individus qui ne sont pas les auteurs de cette déclaration-là. Vous vous attaquez au menu frétin en disant des choses, les gens qui sont autour de Joseph, les gens qui sont autour de Joseph. C'est qui est autour de Joseph? Premièrement, je tiens à vous dire qu'il n'y a personne autour de Joseph. Deuxièmement, je veux dire que Joseph est prophète et un prophète, ça ne s'influence pas. Mais prenez votre courage à deux mains et attaquez-vous à Joseph. C'est Joseph qui parle, ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Et pour la petite histoire, Joseph n'a interdit à aucun ministre de prêcher. Il n'a dit à personne que tu ne dois plus prêcher. Mais c'est Joseph qui parle d'aller l'attaquer. Au lieu que vous l'attaquiez ouvertement, vous le faites encore de manière voilée. Vous savez que vous vous adressez à Joseph, mais vous n'avez pas le courage de citer son nom. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'on vous indexe comme étant des personnes qui parlent du mal, en mal des enfants de William Branham. Parce que Frère Branham a dit, et vous le savez, que vous pouvez dire du mal de moi et ce n'est pas grave. Mais ne parlez pas de mes enfants. Vous savez cela. Mais vous n'avez pas le courage d'attaquer Joseph Branham. Attaquez-le nommément. Vous venez maintenant en parler avec des codes, avec des codes. Oh non, quand le prophète messager parle, tout le monde doit se taire. Mais pourquoi vous vous parlez? Oh, quand le prophète messager parle, tout le monde doit se taire. Peu importe qui c'est, même si c'est un prophète. Mais dites simplement que Joseph Branham, quand le prophète messager parle, toi tu dois te taire. Adressez-vous à Joseph, parlez ouvertement. Vous êtes des grands, non? Vous êtes des adultes. Vous dites que vous êtes capables, non? Prenez vos responsabilités en main et dites, Joseph Branham, nous ne sommes pas d'accord avec ce que tu dis. Dites, Joseph Branham, nous ne sommes pas d'accord à ce que tu t'adresses, du fait que tu t'adresses à l'épouse du monde entier en disant, chère épouse, chère semence royale. Dites-le à Joseph. Vous parlez maintenant de manière voilée en disant, oh non, je n'ai pas besoin de recevoir des ordres de quelqu'un quelque part pour me dire quelle bande que je dois écouter. Est-ce que Joseph vous a dit d'écouter la même bande que lui? Joseph Branham, quand il demande qu'on écoute la même bande, il s'adresse à l'épouse de Jésus-Christ. Il dit, chère épouse de Jésus-Christ. Il ne s'est pas adressé à vous. C'est l'épouse de Jésus-Christ qui, se reconnaissant être l'épouse, décide d'écouter la même bande de Joseph parce qu'en tant qu'épouse, il se sent interpellé par un prophète. Est-ce que Joseph vous a dit à vous, écoutez la même bande que moi? Vous avez déclaré que Joseph est prophète de son église locale. Heureusement que Dieu n'envoie pas des prophètes d'église locale. Il envoie des prophétiseurs dans les églises locales, pas un prophète. Il envoie un prophète pour le corps de Christ. Mais vous vous évertuez à dire que non, Joseph est prophète d'une église locale. C'est écrit où? Vous dites qu'il est pasteur d'une église locale. Oui, il est pasteur d'une église. William Branham n'était-il pas pasteur d'une église locale? N'était-il pas pasteur du Branham Tabernacle? C'est lui qui a fondé le Branham Tabernacle. Mais parce qu'il était pasteur du Branham Tabernacle, est-ce que cela faisait en sorte qu'il ne fût plus prophète? Mais de quoi est-ce qu'on parle? Finalement, est-ce qu'on connaît la parole? Joseph ne s'adresse pas à vous. Joseph s'adresse à l'épouse. Joseph s'adresse aux aigles. Comme j'ai lu quelqu'un qui a posté sur la toile, il a dit. Mais quelle est la raison de cette agitation? Quand Joseph Branham demande au monde entier d'écouter la même bande, il s'adresse aux aigles. C'est ce que disait ce frère sur la toile. Il dit, Joseph s'adresse aux aigles. Il dit, les aigles se rassemblent. Mais pourquoi alors les autres oiseaux s'agitent-ils? J'ai aimé ça, j'ai même rigolé quand j'ai lu cela. Et c'est la vérité. Joseph Branham invite les aigles à se rassembler dans la prière. Il invite les aigles à jeûner. Il invite les aigles à prier. Il invite les aigles à écouter la même bande. Pourquoi les autres oiseaux s'agitent-ils? Pourquoi le corbeau s'agite-t-il? Pourquoi le vautour s'agite-t-il? Pourquoi les charognards s'agitent-ils? Parce que c'est les charognards qui mangent de tout. Ils mangent un peu de la viande pure, ils mangent aussi un peu de la charogne, ainsi de. Pourquoi les autres oiseaux s'agitent-ils? Serais-je en train de traiter des enfants de Dieu des charognards? Non. Ou de vautours? Non. C'est pas ça. Moi, je dis simplement que on est surpris par l'agitation des autres oiseaux. Si vous n'êtes pas des aigles, pourquoi vous agitez? En quoi est-ce que ça vous regarde? Je dis bien, adressez-vous à Joseph Branham. C'est lui qui a dit que le perfectionnement de l'épouse, c'est par l'écoute de la voix du septième ange. C'est Joseph Branham qui a dit, et vous le savez bien, qu'il y a le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Et qu'il fait partie du groupe 1 qui n'écoute que les bandes, tous les jours. C'est lui qui a dit, c'est sur la toile, et vous savez, attaquez-vous à lui. Citez son nom, ayez le courage de dire, Joseph, nous ne sommes pas d'accord. C'est comme ça que des ministres viennent devant Joseph pour dire non, frère Joseph, les gens disent que tu ne veux plus que les prédicateurs prêchent. Non, c'est pas les gens qui disent, c'est vous les prédicateurs. Parce que vous êtes au courant de ce qu'il dit. Vous entendez ce qu'il dit. Et par manque de courage, au lieu de venir dire, Joseph, nous sommes déstabilisés par ce que tu dis, par ce que tu fais. Bon, s'il te plaît, est-ce que tu veux dire que nous, on n'a plus le droit de prêcher? C'est comme ça que vous devez poser la question. C'est pas aller dire non, les gens disent que les gens disent, c'est quels gens? C'est vous-même. C'est vous-même. Et vous faites passer ça sur le dos des gens. Et la même chose se passe aujourd'hui. Moi, je suis au courant. On est au courant.
Parce que Joseph s'adresse à l'épouse du monde entier. Il y a des pasteurs qui sont maintenant en train d'envoyer des lettres à frère Joseph pour dire non, les gens disent que pourquoi tu t'adresses à l'épouse du monde entier en disant chère épouse. Les gens disent que de quel droit te permets-tu? C'est pas les gens, c'est vous-même les pasteurs. Prenez votre courage à deux mains. C'est vous-même les pasteurs qui vous posez ces questions-là. Et au lieu de poser les questions frontalement à frère Joseph, vous prenez toujours, les gens disent, c'est qui ces gens-là? Oh, eux, les gens qui sont autour de Joseph, c'est qui est autour de Joseph? Oh non, le problème, c'est pas Joseph. Ainsi, je préfère la position de Joseph, mais les gens qui sont autour de Joseph, c'est qui est autour de Joseph qui vous a empêché de prêcher? C'est qui est autour de Joseph qui vous a dit que vous devez vous asseoir? Quel est l'homme qui a le pouvoir de faire asseoir un serviteur de Dieu, un homme qui a un appel dans sa vie? Vous avez un appel, faites ce que vous faites. Moi, j'ai un appel dans ma vie, je fais ce à quoi j'estime avoir été appelé, sans m'occuper de quiconque, sans me soucier de ce que dit ou ce que pense quelqu'un. C'est qui ceux qui sont autour de Joseph? C'est qui ces gens? Qui sont ces gens? Pourquoi n'avez-vous pas le courage de vous adresser à Joseph? C'est Joseph qui dit que le perfectionnement de l'épouse, c'est pas les bandes. C'est Joseph qui dit, chère épouse, c'est Joseph qui invite l'épouse du monde entier à écouter la même bande à la même heure de Jeffersonville. Pourquoi vous ne vous adressez pas à lui? Vous passez maintenant par des codes. Oh non, voilà, quand un prophète majeur parle, tout le monde doit se taire, même si c'est un prophète. Mais pourquoi vous parlez? Vous parlez pourquoi? En réalité, ce que vous êtes en train de dire, c'est simplement que Joseph, toi, tu dois te taire, tu ne dois pas parler parce que tu es très influent. Tu n'as pas besoin de voyager, il suffit que tu dises quelque chose de là où tu es à Jeffersonville, les gens vont appliquer cela dans les maisons. Vous êtes en train de dire à Joseph, en réalité, tais-toi parce que tu nous déranges, c'est tout. Et ça va dans la droite ligne de ce que vous avez dit pendant ce que les prédicateurs ont dit pendant des années. Non, son travail, c'est de dissiper la nourriture, il doit se taire, il n'a rien à dire. Maintenant, il vous prouve qu'il a quelque chose à dire. Maintenant, il vous prouve qu'il a quelque chose à dire. C'est désormais à nous de savoir si nous sommes l'épouse, nous faisons ce qu'il dit. Si nous sommes des aigles, nous ferons ce qu'il dit. Si nous ne le sommes pas, nous ne le ferons pas. Mais ne venez pas lui dire de se taire. Quand vous lui dites non, tu dois te taire. Nous savons que vous vous adressez à lui. Oh non, quand un prophète majeur parle, tout le monde doit se taire, même si c'est un prophète, même si c'est n'importe qui. Mais vous ne connaissez pas la parole. Vous ne connaissez pas la parole. C'est lui que vous dites, quand un prophète majeur parle, tout le monde doit se taire. Mais celui que vous voulez faire taire là, le prophète majeur a parlé de lui. Il a dit, il va prendre ma place pour faire briller la lumière. Il a dit, il va continuer mon ministère. Il l'a appelé prophète. Il a dit que c'est un leader. Il a dit de lui que l'esprit de prophétie était déjà sur lui. Il a même dit qu'il voyait déjà des visions. Il a même dit que Dieu va prendre l'esprit qu'il m'a laissé et il va le mettre sur mon garçon, sur Joseph. Maintenant, vous cachez ça pourquoi? Les sceaux, soi-disant, vous avez prêché les sceaux. Les 70 semaines de Daniel, vous avez prêché, vous avez trouvé ça dans le message. La démonologie, vous avez enseigné, vous avez trouvé ça dans le message. Les âges de l'église, vous avez enseigné, vous avez trouvé ça dans le message. Mais pourquoi vous n'enseignez pas aussi sur Joseph? C'est dans le message, non? Quand maintenant, tout ce que William Branham a dit sur Joseph, vous ne voulez pas parler de ça? Mais ça, c'est la politique de l'autriche. Vous prenez ça, vous reléguez au dernier plan, vous ne voulez même pas faire mention, mais c'est dans le message. Mais si vous écartez ça, c'est une partie du message que vous écartez, vous avez peur de quoi? Pourquoi vous n'énoncez pas ça? William Branham fait des déclarations sur son fils. Il a dit qu'il est prophète. Il a dit qu'il allait continuer son ministère. Pourquoi vous ne dites pas ça aux gens? Vous qui prêchez les mystères, vous qui êtes les grands mystérieux qui savez prêcher les mystères, jusqu'à même des mystères qui ne sont pas dans le message, pourquoi vous ne parlez pas des mystères qui sont là? C'est-à-dire que de ce que Dieu a dit au sujet de Joseph, qui se trouve dans le message. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne voulez même pas qu'on en parle? Quand on en parle, on dit oh non, on exagère sur Joseph. On veut faire de Joseph Dieu. Quand on ne fait que lire ce que le messager que vous dites, messager majeur, a dit au sujet de Joseph. Vous cachez ça pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas que les enfants de Dieu voient ça? Ce n'est pas parce que vous lui dites de se taire qu'il va se taire. Il va continuer de parler parce qu'il est prophète. Oh non, il faut qu'il se taise. Oh non, quand un prophète messager parle, c'est ça qui est l'ainsi dit le Seigneur. Tout ce qui vient après, c'est du n'importe quoi, il ne faut pas croire. Mais dites qu'il s'agit de Joseph. Il vous déstabilise. Il vous déstabilise. Et vous le savez. Et moi, j'ai dit mes vérités comme ça. Il vous déstabilise. Vous ne le ferez pas taire. Et l'épouse de Jésus-Christ suivra cet homme. Parce qu'il est prophète.
Oh non, voilà, quand un prophète messager parle, il a dit ici, oh frère Branham, est-ce que tu es le seul qui doit prêcher la même citation qui revient toujours? Est-ce que tu es le seul qui doit prêcher? Et tout ça, on a dit, le même esprit est déjà. Jusqu'à réduire le ministère des bandes, le comparer à une doctrine. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça ne marche pas. Oh non, frère Branham a dit, dites ce que disent les bandes, donc ça veut dire qu'on doit prêcher. Mais oui, vous êtes libre de prêcher. Mais est-ce que vous dites vraiment ce que les bandes disent? Si vous disiez ce que les bandes disent, pourquoi on a tout, beaucoup de tendances maintenant dans le message? Celui qui s'y croit que l'enlèvement, c'est seulement l'âme qui sera enlevée. Le corps ne va pas être enlevé. Et les gens sont là, ils ont perdu l'espoir dans l'enlèvement parce qu'ils croient déjà qu'ils ont été enlevés, que leur âme a été enlevée. Et l'histoire s'arrête là. Mais c'est faux, c'est contraire à la parole. La Bible dit dans le livre des Corinthiens que le corps mortel revêtira l'immortalité. Ce corps sera changé pour ceux qui seront restés vivants. C'est ce qu'enseigne la parole. Où est-ce que William Branham dit que l'enlèvement, c'est seulement l'âme qui sera enlevée? Vous dites ce que les membres disent, non? L'autre dit, oh non, voilà. Non, Branham a dit, on doit prêcher. Il a dit ce que disent les membres, donc ça veut dire qu'on doit prêcher. Mais en même temps, on enseigne le troisième Adam. Où est-ce que le troisième Adam existe dans le message de William Branham? Sortez-moi cette citation qui parle du troisième Adam. C'est une fausse doctrine. Mais vous êtes fort pour dire que non, le ministère des bandes, c'est une doctrine, une mauvaise doctrine. D'abord, vous érigez ça en doctrine, ensuite vous dites que c'est une mauvaise doctrine. Le troisième Adam se trouve où dans le message? Vous justifiez ça en disant que non, Dieu, Frère Branham dit que Dieu est parfait en toi, donc il y a le premier Adam, le second Adam, donc il y a un troisième Adam. Dieu est parfait en toi seulement. Le même William Branham a dit que Dieu est parfait en sept. Seven. Le même William Branham a dit que Dieu est parfait en sept. Donc, au lieu de vous arrêter au troisième Adam, évoluez jusqu'au septième Adam. Vous venez à la citation, je vous la donnerai. Elle existe. Frère Branham dit, Dieu est parfait en sept. Vous avez la table, non? Allez fouiller. Que ce soit en français ou en anglais, vous la trouverez. Surtout en anglais, mais je crois qu'elle existe en français. Dieu est parfait en sept. Allez, au lieu de vous arrêter au troisième Adam, continuez jusqu'au septième Adam. L'autre déclare que non. Vous dites ce que disent les membres, non? L'autre déclare que non. Nous sommes déjà dans le millénium. Dans le millénium avec coronavirus. Vous dites ce que les bandes disent, non? Donc, c'est vous qui dites à Joseph que Joseph doit se taire et vous n'avez même pas le courage de citer son nom. Vous dites que Joseph doit se taire, mais en même temps, vous êtes en train de parler. Vous êtes en train d'inventer des doctrines, des théories et autres. Mais en réalité, vous êtes juste déstabilisé. Parce que vous savez que plus les gens vont écouter les bandes, plus les bandes vont corriger tous les faux enseignements que vous avez apportés pendant des années. Parce qu'il n'y a que les bandes, il n'y a que William Branham qui peut corriger les faux enseignements. William Branham, il a prié, il a dit, Seigneur, ôte les doutes de mon petit groupe qui est ici et de ceux qui écouteront les bandes. William Branham a prié pour que Dieu ôte les doutes de son petit groupe qui était en face de lui au Branham Tabernacle et du groupe, de son groupe qui allait écouter les bandes. Voilà ce que William Branham a dit. C'est William Branham qui enlève les doutes. C'est William Branham qui corrige les faux enseignements. Et même quand il y a eu la vision avant-première de l'épouse et que les gens étaient en train de se détourner, c'est là encore la voix de William Branham qui est venue des tribunes pour dire restez en ligne. S'il vous plaît, attaquez Joseph Branham. Ne parlez pas des gens qui sont autour de Joseph Branham. Désormais, si vous voulez attaquer soi-disant, jeter l'anathème sur les gens qui sont autour de Joseph Branham en cherchant des boucs émissaires, citez leur nom. Citez les noms de ceux qui ont dit que les prédicateurs doivent s'asseoir, que les prédicateurs ne doivent plus prêcher. Citez leurs noms. Plutôt que de se comporter comme des lâches, en n'ayant pas le courage de dire que non, tel a dit et tel a dit. Produisez les évidences. C'est qui est autour de Joseph? Et qui peut influencer Joseph? Qui est autour de Joseph qui sirote le petit café avec Joseph? C'est qui? Ou du petit thé avec Joseph? C'est qui? En tout cas, c'est pas moi, je ne connais pas. Ayez le courage de dire à Joseph, on n'est pas d'accord avec toi. On n'est pas d'accord avec ce que tu dis et ce que tu fais. Tu as dit que tu prêches 5 à 7 fois par semaine. Mais comment se fait-il que depuis que tu as pris le Branham Tabernacle depuis le 6 septembre 2015, tu es seulement, il n'y a pas un jour de culte où tu n'as pas joué la bande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne l'avez pas compris. Vous êtes venu en présence d'un prophète, il vous a parlé, vous n'avez pas compris. Vous êtes reparti, maintenant vous vous rendez compte que ce qu'il fait semble être en contradiction avec ce qu'il vous a dit. Non. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il fait et ce qu'il vous a dit. C'est vous qui ne l'avez pas compris. C'est vous qui ne l'avez pas compris. Parce que les anglo-saxons disent « Actions speak loud ». Ça veut dire que les actes parlent plus fort que les paroles. Si vous voulez connaître
comment dire, voir comment un homme applique dans sa vie ce qu'il dit, voyez ses actions. Les actions de Joseph, c'est l'application de ce qu'il dit. Il n'y a pas un service sans l'écoute de la bande. C'est ce qu'il croit. Et c'est ce qu'il a dit, que le vrai quintuple ministère dont il fait partie, c'est celui qui garde la voix du septième ange devant lui, c'est celui qui joue les bandes. C'est Joseph qui a dit, attaquez-le, citez son nom. Ayez le courage de citer son nom, arrêtez avec l'hypocrisie. Hein? Oh non, il faut que Joseph se taise. Dans les coulisses, vous dites, on ne peut pas recevoir des ordres de Joseph. Quand vous venez devant caméra, vous ne pouvez pas dire ouvertement que Joseph arrête. Parce que vous ne voulez pas qu'on dise, ah, il a dit ça contre Joseph. Et vous prenez ça, vous jetez l'anathème sur les gens. Et derrière quoi vous cachez? Vous vous cachez en disant que non, les gens qui écoutent les bandes, c'est, vous vérifiez, c'est des gens qui vivent mal. Ah bon? Les gens qui écoutent les bandes, c'est des gens qui vivent mal? Oh non, parce qu'ils ont été déçus des églises des pasteurs. Ah bon? Non! Ils ont saisi la vision du programme de Dieu pour aujourd'hui. Et c'est vous qui parlez des gens qui vivent mal parce qu'ils écoutent les bandes? Joseph Branham vit-il mal? Lui qui demande à l'épouse d'écouter la bande, il vit mal? Lui qui envoie le distribuer la nourriture dans le monde entier, il vit mal? Billy Paul qui a vu l'ange, il écoute les bandes, il vit mal? Et vous, vous vivez bien? Mais ça me fait penser à Jésus qui a dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la pierre sur cette femme. Mais vous vous êtes regardé? C'est toujours ça les excuses. D'une excuse à une autre. Oh non, ils ont été déçus des églises. Oh non, ils ont été déçus des pasteurs. Oh non, ils écoutent les bandes pour se cacher. Si vous fouillez leur vie, vous allez voir qu'ils vivent mal. Ah bon? Mais quand on vient dans vos églises, là, on ne va pas trouver les gens qui vivent mal? Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe? C'est pas parce qu'on n'a pas, on ne veut pas venir devant, on ne vient pas devant les caméras, que vous pensez qu'on est au courant de tout ce qui se passe. Et très souvent, quand ils parlent comme ça, le péché qu'ils voient, c'est seulement la femme. Oh non, la femme, il est tombé avec une femme. Ah bon, c'est le seul péché? Fabanama dit, trois choses font la guerre aux serviteurs de Dieu. Il dit la femme, la popularité et l'argent. Frobanam dit, les deux premières cités ne me faisaient pas peur. La femme et la popularité. Il dit, les deux premières cités ne me faisaient pas peur, mais l'argent. Voilà le péché que vous ne mentionnez pas. Vous êtes nombreux à être tombés dans le péché de l'argent. Nombreux. Nombreux à être tombés dans le péché de l'argent. Et cela se manifeste aujourd'hui. Les gens sont en confinement. On ne cherche même pas à savoir, alors que Frère même dit que l'église est responsable des siens. On ne veut même pas chercher à savoir, allô frère, est-ce que la famille là, qui est démunie là, ils ont tous, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Avez-vous besoin d'aide? Rien. Mais vous prenez le téléphone pour appeler, frère, j'ai besoin de ta dîme. Frère, j'ai besoin de ta dîme. Pendant le confinement. On est censé être reclus, confiné. Tu veux que le frère sorte pour venir te donner la dîme chez toi à domicile. Mais ça, c'est la preuve que vous êtes tombé dans le péché de l'argent. Et ça, vous ne voyez pas. William Branham n'avait pas peur des deux premières cités. Il n'avait pas peur de la femme, du péché de la femme. Il n'avait pas peur du péché de la popularité. Mais l'argent, c'était un problème. Il a dit ça, ça lui faisait peur. William Branham l'a dit. Et vous êtes tombé dans le péché de l'argent. Et vous ne voulez même pas voir. C'est là pour vous le péché. C'est moi quand on dit un frère est tombé avec une femme. David est tombé avec les femmes. Il est allé au ciel. Il est allé au ciel. Saül est tombé dans le péché de la popularité, il n'est pas perdu. Mais où est Balaam qui est tombé dans le péché de l'argent? Où est Judas qui est tombé dans le péché de l'argent? Et les excuses, les subterfuges, c'est quoi? Non, voilà, eux, ils sont toujours, ceux qui écoutent les bandes vivent mal. Ah bon, vous vivez bien? Regardez, allez devant un miroir, je vous invite, allez devant une glace. Regardez-vous et dites-moi si vous pouvez supporter le regard de votre conscience. Mais qu'on arrête ça quand même. On a grandi, on est des adultes désormais. On ne va pas être là à chaque fois avec les mêmes histoires. Quand on ne croit pas quelque chose, on ne comprend pas, on va se mettre à attaquer des frères. Où est la sagesse de Gamaliel? Faites comme Gamaliel. Si vous ne comprenez pas cette affaire des bandes, respectez cela jusqu'à ce que peut-être que vous ayez un jour la compréhension. Vous dites, oh non, voilà la doctrine des bandes. Des éclaircissements ou quoi je ne sais sur la doctrine des bandes. Un prédicateur qui dit que l'écoute des bandes est une doctrine, ce prédicateur ne connaît pas la parole. Il ne connaît pas la parole. J'ai beaucoup de citations ici, mais je vais en lire juste quelques-unes. Frère Branham dit, questions et réponses sur les sceaux. Paragraphe 32. Frère Branham dit, vous voyez, les bandes, c'est un ministère mondial. Partout, vous voyez partout. Voilà, William Branham dit que les bandes, c'est un ministère mondial. Vous, vous venez dire que les bandes, c'est une doctrine. Entre vous et William Branham, je crois qui? Entre vous et William Branham, je crois qui? William Branham dit, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 520. Je vais lire plus bas. Il dit, pour gagner en temps, il dit, voyez, je suis conscient que je m'adresse à des milliers de personnes par la bande magnétique. Vous savez,
Nous avons un ministère de bande dans le monde entier. Si vous ne comprenez pas pourquoi Joseph Branham appelle l'épouse à écouter la même bande à la même heure dans le monde entier, c'est simplement parce que c'est un ministère mondial. Voilà William Branham, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 520. Vous voyez, il dit, voyez, je suis conscient que je m'adresse à des milliers de personnes par la bande magnétique. Vous savez, nous avons un ministère de bande dans le monde entier. Voilà. William Branham dit que les bandes, c'est un ministère mondial. Toi, tu viens dire que la doctrine des bandes, quelle doctrine des bandes? Ça veut dire que tu ne connais pas le message. Ça veut dire que tu ne connais pas la parole. Va encore étudier. Va encore étudier. Frère Branham dit dans témoignage, prêché le 28 novembre 63, paragraphe 19, je vais lire juste au début. Le ministère des bandes est une chose internationale. Je crois que c'est une manière que Dieu a de répandre le message dans les pays païens, là où cela nécessite une traduction. Et en Allemagne, et ainsi de suite, ils ont des bandes, ils vont vers leurs assemblées. Et des centaines de personnes, et mettent de petites choses dans leurs oreilles, et les connectent à une bande. Frère Branham dit, et pendant que je suis en train de parler comment? Au moyen de la bande. Et pendant que je suis en train de parler, le ministre, pas n'importe qui, le prédicateur, le ministre se tient debout là-bas, reproduisant les mêmes expressions et dans les autres langues et présentant cela à des centaines. Et je peux continuer pour prouver que c'est un ministère. Il dit, je ne parle pas dans le message, le signe. 63-09-01 au soir, il dit, vous voyez, je parle aussi pour ceux qui écoutent la bande. Vous comprenez? Et beaucoup, je ne parle pas de ceux qui sont ici dans l'église. Je suppose que nous sommes tous sortis. Frère Branham dit, mais il y aura peut-être des milliers de milliers qui écouteront la bande. Voyez-vous? Et ça, il dit, c'est un ministère. Il y aura quelqu'un qui se glissera dans Jéricho, vous savez, avec une bande. Et nous voulons donc attraper la semence prédestinée quand la bande ira là-bas. William Branham a dit, nous voulons donc attraper la semence prédestinée quand nous irons là-bas. Bon, maintenant vous vous dites, vous venez devant des caméras et autres, vous dites, non, la doctrine des bandes. Ça veut dire que vous avez mal étudié le message. Comment un prédicateur, quelqu'un qui dit qu'il croit William Branham, qui dit qu'il a reçu le message, peut-il ériger le ministère de Dieu en une doctrine? Mais la voix dans les bandes, c'est la voix de Dieu. La voix dans les bandes, c'est Dieu qui nous a parlé en cette génération. Donc, écouter Dieu, c'est un péché. Je pensais que tout croyant, tout chrétien soupirait après l'écoute de la voix de Dieu. Maintenant que nous avons la voix de Dieu, nous érigeons cela en doctrine. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Oh non, si vous écoutez, vous ne comprendrez pas. Oh non, tout ça, c'est nous qui devons vous expliquer le message. Non, c'est nous. Et quand vous dites que c'est vous qui devez expliquer le message, que c'est vous qui devez perfectionner l'épouse, en même temps, vous êtes en train de dire à Joseph, hein, à demi-mot, avec des mots voilés, que non, toi, tu dois te taire. Non, il ne se taira pas. Il ne se taira pas. Heureusement que je ne peux pas influencer Joseph. Si je pouvais influencer Joseph, j'allais lui dire, ne t'étais pas. Mais heureusement, lui-même sait qu'il ne peut pas se taire. Heureusement, lui-même sait qu'il ne peut pas se taire. Voilà pourquoi il parle. Qui de vous ne croit pas que Joseph est prophète? Quel est le croyant du message qui ne croit pas que Joseph est prophète? Vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas prophète. Vous le savez tous. C'est là dans le message. Vous dites, oui, il est prophète, mais il doit se taire. Il est prophète, mais il n'a rien à nous dire. Oh non, majeur, mineur. Vous avez vu dans le message, William Branham a dit que Joseph était un prophète majeur. Vous avez vu dans le message, William Branham a dit que Joseph était un prophète mineur. Il a dit, il est un prophète, c'est tout. Il y en a qui viennent, non, non. Joseph n'est pas un prophète scripturaire, c'est un prophète voyant. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que vous entendez parler? Mais un prophète est un voyant. Un prophète est un voyant. Qu'il soit majeur ou mineur, c'est un voyant. Et William Branham dit que trois langues définissent un prophète de la même manière. Il dit l'hébreu, le grec et l'anglais définissent le prophète de la même manière. Il dit c'est un voyant. Prochainement, si je suis encore en vie, je donnerai la citation. Il dit, l'hébreu, l'anglais et le grec définissent un prophète de la même manière. Un prophète est un voyant. Et un prophète est né prophète. Il est prophète depuis le berceau. Et il a ainsi dit le Seigneur de manière ininterrompue. De quoi on parle? Qui de vous ne croit pas que Joseph est prophète?
Vous tous vous dites, oh non, nous savons qu'il est prophète. Nous croyons qu'il est prophète. Et vous arrêtez là. On est d'accord qu'il est prophète, mais quand il dit à l'épouse d'écouter la même bande à la même heure, non, c'est faux. Nous croyons qu'il est prophète, mais il n'a rien à nous dire. Je répète ça. Oh, Joseph est prophète, c'est vrai, mais il n'a rien à nous dire. C'est vous qui allez faire taire un prophète. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous prouver que vous ne croyez même pas que Joseph est prophète. Vous ne croyez pas que Joseph est prophète. Je vais vous lire ça ici. Mais je sais, moi je crois que Joseph est prophète. C'est dans le message, on ne peut pas enlever ça. Et moi j'accepte ça et je m'attends à ce qu'il me parle. Quand vous dites qu'il doit se taire, c'est pour que, qui nous parle, vous? Voici ce que dit William Branham. Dans le sermon, trois sortes de croyants. Je ne donne pas le paragraphe, vous allez chercher vous-même. Trois sortes de croyants. Voici ce que dit Frère Branham. Vous croyez que Joseph est prophète, non? Nous croyons qu'il est prophète. Voici ce que dit William Branham. Un homme qui dit qu'un homme est prophète et qui déclare ensuite que son enseignement est faux, point d'interrogation. Trois sortes de croyants. Frère Branham dit, un homme qui dit qu'un homme est prophète et qui déclare ensuite que son enseignement est faux, vous dites qu'un homme est prophète. Vous dites que Joseph est prophète. Maintenant, quand il dit que l'épouse doit écouter les bandes, vous dites que non, c'est faux. Quand il dit que le perfectionnement de l'épouse passe par l'écoute des bandes, vous dites que c'est faux. Et vous êtes ceux-là qui disent qu'il est prophète, mais il y a contradiction quelque part. Et voilà pourquoi je donne raison à Joseph quand il dit que pour toutes les questions que vous posez, les réponses sont dans les bandes. Il suffit qu'on aille fouiller pour comprendre ces choses. Vous dites bien que Joseph est prophète. Et vous faites bien. Parce que vous ne pouvez pas le nier, parce que si vous niez, on vous sort ça, on vous donne ça. Vous dites bien. Vous acceptez ça malgré vous dites, il est prophète, on reconnaît. Mais il n'a rien à nous dire. Mais ce qu'il nous dit là, c'est son enseignement quand il dit on doit écouter les bandes. Je répète, un homme qui dit qu'un homme est prophète et qui déclare ensuite que son enseignement est faux. Maintenant, moi, je vais le dire ça, je vais le dire à ma façon avant de continuer. Un homme qui dit que Joseph Branham est prophète et qui déclare ensuite que son enseignement est faux quand il dit que l'épouse doit écouter les bandes. Un homme qui dit que Joseph Branham est prophète et qui déclare ensuite que son enseignement est faux quand il dit que le perfectionnement de l'épouse ne vient que par les bandes. Un homme qui dit que Joseph Branham est prophète et qui déclare ensuite que son enseignement est faux quand il invite l'épouse du monde entier à écouter la même bande à la même heure. Les vraies natures des gens sont maintenant en train de se manifester. L'évangile du Saint-Esprit ruisselle de sang. Du sang des disciples morts pour la vérité. Et moi, je veux sceller mon témoignage même par le sang. Je reçois des menaces. Je reçois des menaces pour tout ce que je fais là. Pour mes vidéos que je fais et autres. Encourager les gens à écouter les bandes. Je reçois des menaces, des coups de fil, des messages. Je reçois. Ça ne me fait pas peur. Ça ne m'ébranle pas. Ça ne m'ébranle même pas un peu. Est-ce que c'est la mort qui me fait peur? 120 ans de vie sur la terre, c'est quoi? C'est l'éternité qui m'attend. Et je n'ai pas peur d'y aller. Marcher seul, Frère Branham m'a dit, cette vie en est une où vous devez marcher seul. J'ai déjà perdu des amis à cause de cette position. Ils sont partis d'eux-mêmes, ce n'est pas moi qui les ai chassés. Ils m'ont rejeté à cause de cette position. Je n'ai pas peur. S'il faut marcher seul, je marche seul. Nous ne sommes pas Israël qui est sauvé par, en tant que nation. Nous sommes nous sommes pas les Juifs qui sont sauvés en tant que nation. 12 000 de chaque tribu. Nous sommes les gentils. Le salut est individuel. Et mon âme, on ne blague pas avec. Je suis prêt à marcher seul. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez que Joseph est prophète. Le message le dit. Mais vous dites, il doit se taire. Il n'a rien à nous dire. William Branham dit, un homme qui dit qu'un homme est prophète et qui déclare ensuite que son enseignement est faux, point d'interrogation. Frère Branham dit, si ce n'est pas là un moyen détourné pour chercher à faire de l'argent, qu'est-ce qui le sera? Voilà. Donc, quand vous dites que Joseph est prophète, mais vous dites qu'il n'a rien à nous dire, William Branham dit que c'est un moyen détourné pour vous faire de l'argent. Effectivement. Parce que vous avez peur que Joseph, vous pensez que si les gens écoutent les bandes, vous n'aurez plus les dîmes, vous n'aurez plus les offrandes. Voilà un autre esprit qui est exposé. En plus du nicolaïsme, c'est votre balamisme qui est exposé. C'est le balamisme qui est exposé. Je répète encore, vous avez le droit de prêcher. N'importe qui a le droit de prêcher. Moi, je n'interdirai jamais. Je ne suis pas l'église catholique romaine ou le pape de Rome pour interdire un ministre de prêcher. Non, un homme a un appel de Dieu dans sa vie. Va prêcher. Va prêcher. Frère Madame continue.
Non, je répète ça encore parce que c'est intéressant. Il faut que l'art de la répétition doit avoir ça pour que les gens comprennent bien. Un homme qui dit qu'un homme est prophète et qui déclare ensuite que son enseignement est faux, si ce n'est pas là un moyen de détourner pour chercher à faire de l'argent, qu'est-ce qui le sera? Voilà ce que dit William Branham. Trois sortes de croyants. La date, 24 novembre 1963 au soir. William Branham dit cela. Vous avez le choix entre dire que Joseph est prophète et accepter qu'il nous parle, qu'il nous dise d'écouter les bandes. Vous avez le choix tout simplement de dire que Joseph n'est pas prophète. Au moins c'est clair. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il est prophète et dire qu'il ne parle pas. Vous ne pouvez pas dire qu'il est prophète et dire que son enseignement est faux. Ça n'a pas de sens. Je continue, il dit. Excusez-moi, je dirais que je suis grippé tout à coup. Il dit, si ce n'est pas là un moyen de tourner pour chercher à faire de l'argent, qu'est-ce qui le sera? Leur reproche ou cette chose sera dénoncée ouvertement. Oui, mais voilà, c'est cette sorte-là. C'est ce soi-disant croyant. Il vous passe la main dans le dos, vous appelle frère comme Judas. Mais vous souvenez-vous, il savait dès le commencement. Encore aujourd'hui, il sait. Oui, monsieur, c'est ça. C'est le soi-disant croyant qui dit que Joseph est prophète, mais il n'a rien à nous dire. C'est le soi-disant croyant qui dit que Joseph est prophète, mais son enseignement, quand il nous dit d'écouter les bandes, c'est faux. C'est le soi-disant croyant. C'est le soi-disant croyant qui dit que Joseph est prophète, mais en même temps, il dit que Joseph n'a rien à nous dire. C'est le soi-disant croyant qui dit que Joseph est prophète, mais en même temps, il dit que Joseph doit se taire. Le soi-disant croyant. Je continue. Souvenez-vous-en. Et tous ceux qui écoutent cette bande aussi, c'est vrai. Vous appartenez à l'une de ces catégories. C'est tout à fait vrai. Maintenant, nous allons terminer. Chaque personne ici présente, chaque personne qui écoute cette bande, et même si je dois un jour quitter ce monde, ces bandes continueront à vivre. C'est vrai, voyez? Vous appartenez à l'une de ces catégories. Forcément que vous appartenez à l'une d'entre elles. C'est exact. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous appartenez à l'une de ces catégories. Frère Branham dit. Alors, qu'en est-il? Identifiez-vous à un personnage biblique qui a cru, alors que vous avez cru la parole au moment où elle a été confirmée. Et c'est ce que j'ai démontré ce soir, qu'il s'agissait toujours d'une parole confirmée et qui allait toujours à l'encontre de la croyance populaire. Frère Branham dit, si vous aviez vécu au jour de Noé, permettez-moi de vous poser cette question. Dans quel camp auriez-vous été? Dans le camp de l'église ou le camp de Noé du prophète? Voyez? Si vous aviez vécu au jour de Moïse, auriez-vous cru au message de Moïse après qu'il avait été prouvé et confirmé par Dieu? Ou au contraire, auriez-vous suivi Corée et Dathan et les autres en disant « Tu n'es pas le seul homme saint. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent faire ces choses que tu fais. » Voyez, vous auriez forcément été l'un ou l'autre. Et c'est ce que vous êtes ce soir. Trois sortes de croyants. Auriez-vous suivi Moïse ou auriez-vous suivi Corée, Dathan, Abiram et les autres? Et je veux préciser, parce que quand on parle de Corée, Dathan et Abiram, on pense que souvent c'était des étrangers. Corée, Dathan, Abiram et les autres, c'était des Juifs, c'était des Hébreux. C'est des gens qui avaient cru au message de Moïse. C'est des gens qui avaient mangé l'agneau pascal, la Pâque. C'est des gens qui avaient été épargnés par l'ange de la mort, ils avaient appliqué le signe. C'est des gens qui avaient mangé des herbes amères. C'est des gens qui avait suivi Moïse, qui était sorti de l'Égypte sur la base de leur croyance dans le message de Moïse. C'est des gens qui avaient traversé la mer Rouge à sec parce qu'ils croyaient le message de Moïse. Mais une fois arrivés dans le désert, qu'ils ont vu que l'Égypte était restée loin, ce qu'ils appellent communément la dénomination, ils se sont dit, maintenant ici, nous allons faire valoir nos ministères. Et c'est là maintenant qu'ils ont dit, Moïse n'est pas le seul à prêcher. Moïse n'est pas le seul à faire les miracles. Nous aussi, on peut prêcher. Moïse, c'est que tu fais. C'est qu'on vient de lire 300 de croix. Moïse aussi, tu n'es pas le seul qui peut prêcher. Tu n'es pas le seul. Nous aussi, on a des ministères. Nous aussi, Dieu nous a appelés. Nous aussi, Dieu nous a. Dieu nous a. Dieu nous a. Dieu nous a. La finalité de tout cela, c'est qu'ils sont dans des sépultures sans pierre tombale dans le désert.
ils sont tous morts. Des gens qui ont été sous la nuée, des gens qui ont célébré la nuée chaque 28 février 1900 de en même commémoration du 28 février 63. Ils étaient sous la nuée, ils ont mangé la manne, ils ont traversé le désert, ils avaient cru au message de Moïse. C'est les gens qui avaient cru au message de Moïse, des prédicateurs qui ont fait la guerre à Moïse. Et on n'aime pas qu'on dise cela. On n'aime pas qu'on énonce cela. Quand vous allez le dire, il est contre les prédicateurs. Je suis contre quel prédicateur? Frère Branham dit que c'était des soi-disant croyants. Ils disent, vous êtes là ce soir. Vous êtes soit l'un ou l'autre. C'est des soi-disant croyants. Comment un homme qui dit connaître le message peut-il dire que l'écoute des bandes c'est une doctrine? Comment un homme qui dit croire en William Branham peut-il dire d'un prophète comme Joseph Branham qu'il doit se taire? On doit arrêter avec l'hypocrisie. On doit arrêter avec ces histoires-là. On dit non, les gens qui sont autour de Joseph. Oh non, c'est pas Joseph le problème c'est eux. Eux c'est qui? Donnez les noms. On vient devant Joseph, oh non, les gens disent que c'est pas les gens qui disent, c'est vous les prédicateurs qui disent ça. Qui dites cela? C'est vous qui venez poser des questions à Joseph qui dites cela. C'est vous. Mais vous avez peur de dire, oh non, moi je pense que non. Vous mettez cela sur le dos des gens. Comme vous êtes maintenant en train d'envoyer les lettres pour demander à Joseph, on est au courant. Oh non, de quel mandat as-tu de t'adresser à l'épouse? Oh, les gens disent que non. Et pourquoi tu t'adresses à l'épouse? C'est pas les gens qui disent, c'est vous-même. On est au courant. Et c'est comme ça que vous cherchez toujours des boucs émissaires. Vous cherchez toujours des boucs émissaires. Jusqu'à quand? Pourquoi on va évoluer comme ça? On est des chrétiens, on va au ciel. Si vous voyez un frère en erreur, voyez qu'un frère a dit que les prédicateurs doivent s'asseoir. Identifiez-le, parce qu'il veut aussi aller au ciel. Appelez-le, faites-le asseoir, dit, ce que tu dis, ce n'est pas correct, voici ce que William Branham a dit. C'est comme ça qu'on agit. Mais ce n'est pas agir comme, je ne sais pas moi, des lâches, comme des lâches. Oh, les gens disent, oh non, eux, oh ainsi de suite. Toujours des pronoms impersonnels. On dit. Attendez, on n'a pas besoin des pronoms impersonnels. On a des pronoms qui disent que tel a dit, tel autre a dit, et je réitère ce que j'ai dit. Je défie quiconque de prouver que moi, Fernand Rimbaud, j'ai déjà dit que les ministres doivent s'asseoir ou que les ministres ne doivent plus prêcher. Je veux qu'on me produise cette évidence. Et je vais dire à quiconque va me regarder. Quand vous entendrez quelqu'un vous dire que Fernand ne croit pas que les ministres ne doivent plus prêcher, sachez que dès cet instant-là, c'est le diable qui parle à travers ce frère. Quand quelqu'un vous dit que Fernand a dit que les prédicateurs doivent s'asseoir, que le quintuple ministère doit s'asseoir, il ne doit plus prêcher, dès cet instant-là, sachez que c'est le diable qui parle, qui a possédé ce frère et qui parle à travers lui. Parce que moi, Fernand Rimbaud, je connais un tout petit peu la parole. Et du peu que je connaisse, je n'ai pas d'écriture pour interdire à un ministre de prêcher. C'est pas possible. Mais je fais la promotion d'un seul ministère. La voix du septième ange, le ministère de William Branham, le seul ministère qui perfectionne l'épouse. Et je suis heureux d'être en accord avec un prophète à ce niveau-là. Et ce prophète, c'est Joseph Branham. Vous voulez qu'il se taise? Moi, je veux qu'il parle. Moi, je veux qu'il parle. Frère Branham dit, les oins du temps de la fin, paragraphe 115. Maintenant, prêtez attention à tout ce message. Et quand vous écouterez la bande, peut-être même que je serai parti un jour, quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi ici sur terre. Vous vous référerez à cela. À quoi? À la bande. Il dit, écoutez ma voix, ce que je suis en train de vous dire. S'il me prend avant sa venue, souvenez-vous bien, je vous ai parlé au nom du Seigneur par la parole du Seigneur. Oui. Je vais encore lire dans Un prophète visite l'Afrique du Sud. C'est une biographie de Frère Branham. Paragraphe 135, c'est un témoignage. Je vais lire cela. Pour vous montrer que William Branham est parti, mais sa voix n'est pas partie. Et si sa voix n'est pas partie, elle est restée. Sa voix est restée, c'est pour que les élus l'écoutent. Voici ce qui est dit dans Un prophète visite l'Afrique du Sud. Pendant notre séjour en Afrique du Sud, plusieurs réunions ont été enregistrées sur bande. Nous avons laissé ces bandes à Sydney Smith de Durban, qui les prêtait à tous ceux qui voulaient les utiliser dans le cadre de réunions pour Européens ou pour non-Européens. Voici un extrait d'une lettre qu'il m'a envoyée et je cite. Voici le témoignage. Hier soir, pour la première fois, nous avons passé un enregistrement d'une réunion Branham à l'église du plein évangile, à Wentworth. Il pleuvait à verse, mais je crois que c'est la soirée la plus glorieuse que l'église ait jamais connue. Donc, la soirée la plus glorieuse que l'église ait jamais connue là-bas à Wentworth, c'est quand ils ont passé une bande de William Branham.
C'est là qu'ils ont connu la soirée la plus glorieuse. Il continue, il dit. Ces enregistrements écoutés à la réunion ont rappelé aux gens que même si Frère Branham est reparti aux États-Unis, sa voix, elle, n'est pas partie. Ils peuvent venir écouter les puissantes prières faites par Frère Branham, intercédant pour les malades, tant pour le corps que pour l'âme. Voilà des témoignages puissants. Voilà des témoignages puissants. Vous qui dites que les bandes, c'est une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Les réunions les plus glorieuses, c'est quand on écoute les bandes. Ce n'est pas une doctrine. Oh non, voilà. Joseph, ce n'est pas parce que Joseph n'est pas notre chef. C'est pas notre chef. Oui, il n'est pas votre chef. Il est le chef d'autres personnes. Il est mon chef. Il est mon leader. Le message dit que Joseph est un leader. Et je suis heureux de dire que Joseph est mon leader. Parce qu'il n'y a pas de leader sans disciple. William Branham n'a pas dit que Joseph était un leader pour qu'il soit un leader sans disciple. Je suis le disciple de Joseph Branham. Allez dire que je suis Josephite. Je suis le disciple de Joseph Marion Branham. Et en suivant Joseph Marion Branham, je suis sûr qu'il m'amènera vers les bandes. Je suis sûr qu'il m'amènera vers William Branham. Et quand j'écouterai William Branham, je ne serai pas égaré. Oh Joseph, c'est pas parce qu'il nous donne les brochures, il nous donne le message maintenant qu'il est notre chef. Mais c'est comme ça que les fils de Jacob avaient dit. C'est ce qu'ils avaient dit, c'est comme ça qu'ils se sont comportés. Jacob a donné la nourriture à son fils Joseph. Il dit, va donner à tes frères dans le, là-bas où ils sont en train de perdre les troupeaux. Il vient avec la nourriture, il leur donne les livres des sceaux, les livres des âges de l'église, il leur donne les SD cards, il leur donne les brochures, il leur donne les bandes. Il donne même les moniteurs pour jouer les bandes. Ils ont pris tout ça. Ils ont dit, il nous donne la nourriture, il n'est pas notre chef. Ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dans le puits. Ils ont bouffé la nourriture, mais ils l'ont jeté dans le puits. Ensuite, ils l'ont vendu aux Madianites. C'est la même chose. Quand vous déclarez, un serviteur de Dieu se déclare, c'est pas parce qu'il nous donne les brochures et tout ça, que maintenant il est notre chef. C'est comme ça que les fils de Jacob s'étaient comportés. Ils ont fini par le vendre. Mais, l'ironie de l'histoire, c'est que cela a fini par s'accomplir. Il a fini par être leur chef. Donc vous pouvez ne pas le reconnaître comme votre chef aujourd'hui. Mais un prophète est un chef. Parce que quand Israël a rejeté Samuel, c'est Samuel qui était leur chef. Ils l'ont rejeté. Mais plus tard, quand ils ont vendu Joseph, ils sont allés se courber. Ce que Joseph avait dit, ça s'était accompli. Cela avait fini par s'accomplir. Moi, je dis mes choses comme ça. Marcher seul, ça ne me fait pas peur. Frère Branham dit, la plus grande bataille jamais livrée. Alors, c'est ce que j'ai dit ce matin, il s'agit d'emmagasiner la nourriture. D'emmagasiner la nourriture. Pour que vous ayez de quoi manger, ou que vous ayez de quoi festoyer. Frère Branham dit, allez la chercher sur vos bandes. Asseyez-vous à la fraîche dans la chambre. Peut-être qu'après que je serai parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Voyez, ceci c'est de la nourriture. C'est la nourriture. L'emmagasinage dans le magasin, je ne sais pas où mène le voyage. Mais où que ce soit, c'est lui qui conduit, il sait où, moi pas. Je ne fais que suivre. Je vais lire une autre citation, rapidement je vais finir. Il dit, l'ordre de l'église, paragraphe 161. Et je suis coupable. C'est que la raison pour laquelle j'ai fait cela, ce n'est pas parce que je ne savais pas ce qui en était. Mais je fais ces bandes, voyez-vous. Et ces bandes seront passées, donc jouées, ces bandes seront passées dans des maisons pendant des heures et des heures. C'est ce que vous appelez une doctrine. William Branham dit que ces bandes seront passées dans des maisons des heures et des heures. Maintenant, moi, je crois qui? Je vous crois vous ou je crois William Branham? Vous êtes en train de combattre les bandes. Vous combattez le ministère de William Branham. Et quand on dit que les gens combattent les bandes, non, personne ne combat les bandes, personne ne peut combattre les bandes. Les bandes, tout croyant du message écoute les bandes c'est dans l'ADN du croyant, mais pourquoi vous n'écoutez pas? Moi je connais des pasteurs qui ne savaient même pas que les bandes étaient un ministère jusqu'à ce que j'en parle avec eux. Ils ne savaient pas. Vous allez me regarder, vous allez vous souvenir de cela. Ils ne savaient même pas que les bandes étaient un ministère, ils étaient des pasteurs, des grands pasteurs. Je connais des pasteurs qui ne savaient même pas qu'on peut recevoir le Saint-Esprit et être scellé dans le royaume de Dieu en écoutant les bandes. Vous allez me regarder et vous allez vous en souvenir jusqu'à ce que je leur ai présenté la citation. Waouh, je ne savais pas. Et aujourd'hui, c'est vous qui dites que non, on a toujours écouté les bandes. On va écouter les bandes comme on les écoutait avant. Mais si on doit écouter les bandes aujourd'hui comme vous les écoutiez avant, ça veut dire qu'on ne les écoutera jamais. Parce que si on doit écouter les bandes comme vous les écoutiez avant, ça veut dire que nous ne serons jamais perfectionnés parce que tel que vous écoutiez les bandes avant, vous ne croyez pas. Et jusqu'à présent, vous ne croyez pas que le perfectionnement, ce n'est pas les bandes.
Je ne veux pas écouter les bandes comme vous les écoutiez avant. Je veux les écouter selon qu'un prophète, en l'occurrence Joseph Branham, est venu nous révéler. Je dis bien nous révéler que le perfectionnement de l'épouse, c'est à travers l'écoute des bandes. C'est comme ça que je veux les écouter, selon l'ordre établi. On dit aux gens, vous combattez les bandes. Personne ne peut combattre les bandes. Tout connaît le message, c'est qu'il doit écouter les bandes. Pourquoi on ne les a pas écoutées depuis des années? Comment on les écoute maintenant? Comme les enfants de Dieu les écoutent maintenant aujourd'hui. Je vais vous prouver que les bandes sont combattues. William Branham dit, l'unité, Jeffersonville, Indiana, prêché 62-02-11. Paragraphe 231, frère Branham dit, la nuit dernière, venant tout droit de Kansas City, un jeune frère polonais se tenant là derrière, il est venu, il a dit, frère Branham, depuis que j'ai entendu parler de vous la première fois là-bas au Canada, il y a plusieurs années, les choses que vous avez vues et faites, je les ai vérifiées. Je précise que la citation en anglais. Je les ai vérifiées de fond en comble, d'un bout à l'autre, de haut en bas. Il a dit, aucune d'elles n'a jamais été fausse. Frère Branham dit, il est certainement un catholique polonais. Et le voilà qui avance, prenant les bandes, allant dehors et les faisant jouer, rencontrant l'opposition. Des ministres qui auraient dû être avec moi et nous aider, mais reniant ce qui en fait la force, reniant la vérité de la parole et prétendant avoir le Saint-Esprit. Voilà un jeune catholique polonais qui prend les bandes, qui va jouer les bandes. L'opposition qu'il rencontre, c'est qui? Des ministres. Branham dit des ministres qui auraient dû être avec moi. Des ministres qui auraient dû être avec moi et nous aider, mais reniant ce qui en fait la force, reniant la vérité de la parole et prétendant avoir le Saint-Esprit. Come on. Là, c'est en 62. Hein? Dites qu'il n'y a pas un combat contre les bandes. Dites qu'on ne combat pas les bandes. Je vais lire une autre citation. Tournez les regards vers Jésus. 29 décembre 1963. Paragraphe 27. Jésus l'a dit. Ce qu'il entendait, c'est ce qu'il disait. Il a dit, je vous ai appelé mes amis et un ami dit tout à ses amis. Paragraphe 28. Paul a dit dans Actes 20, 27. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Voyez? Paragraphe 29. Et puis-je dire la même chose ce soir? William Branham. Et puis-je dire la même chose ce soir en m'associant à ce grand saint d'autrefois? Pour autant que je le sache, je n'ai rien caché. Au contraire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Ça, c'est William Branham. Et écoutez maintenant ce qu'il va dire après qu'il ait dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Parce que les gens disent souvent, non, Frère Branham nous a donné tout le conseil de Dieu. Oui, mais écoutez ce qu'il dit par la suite. Là, je venais de lire le paragraphe 129, de tourner les gars vers Jésus. Lisons maintenant le paragraphe 30. Il dit quoi? Quelqu'un faisait passer l'une des bandes l'autre jour. Donc, il jouait la bande. Et juste parce que ça irritait une personne, elle a tiré sur ces gens par la fenêtre. Et une femme a été blessée. Dites qu'on ne combat pas les bandes. Dites qu'on ne combat pas les bandes. Les gens sont en train de passer. William Branham finit de dire que je n'ai rien caché. Je n'en ai rien caché. Au contraire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il continue de dire, quelqu'un faisait passer l'une des bandes l'autre jour. Et juste parce que ça irritait une personne, elle a tiré sur ces gens par la fenêtre. Et une femme a été blessée. Dites encore qu'il n'y a pas un combat contre les bandes. Des gens sont en train d'écouter les bandes, ça irrite quelqu'un. Il va prendre un fusil et il tire sur les gens qui écoutent la bande. Une femme parmi les auditeurs des bandes est blessée. Dites qu'il n'y a pas un combat contre les bandes. Dites qu'il n'y a pas un combat contre les bandes. Qui va le dire? Vous êtes en train de combattre les bandes. Vous êtes en train de combattre le ministère de Dieu. Et il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le combat contre les bandes a commencé le premier jour où la première bande a été enregistrée en 1947, si vous ne le savez pas. Je vous l'apprends. Le combat contre les bandes, le diable s'est levé contre les bandes le jour même où la toute première bande avait été enregistrée. William Branham dit, l'accusation, 6307-07, 202. Oh là là, quelle richesse pour moi, voyez-vous, de voir et de savoir que c'est la vérité. Je m'en tiendrai à ceci, je vais. Le Dieu du ciel se lèvera. Et ma voix sera sur la bande magnétique du grand temps de Dieu. Là-bas, elle condamnera cette génération au dernier jour. En effet, elle est sur une bande magnétique. Et puis là, elle sera sur la bande éternelle. C'est vrai.
Elle condamnera cette génération de prédicateurs qui ont une forme extérieure de la piété, mais qui renie la puissance de la parole et sa manifestation. Alors que c'est très bien identifié qu'il est toujours Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je les accuse par la parole de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est William Branham. Le genre de citation que vous n'aimez pas lire. C'est pas moi, c'est William Branham. C'est pas moi. Moi, je ne fais que croire en un prophète. Je crois en ce qu'il a dit. Vous savez pourquoi vous dites que les bandes, l'écoute des bandes, c'est une doctrine? Parce que vous ne voulez pas vous asseoir pour étudier la chose. Parce que vous ne voulez pas vous asseoir pour sonder la chose. Vous voyez Joseph Branham faire ce qu'il fait et vous attaquer. Voici ce que dit William Branham. Je vais lire ça. Démonologie, domaine religieux. Paragraphe 179. J'ai dit, attendez un instant, j'ai rédigé une lettre officielle, excusez-moi, que j'ai envoyée aux gens. J'ai dit, comme vous en connaissez peu, vous les prédicateurs. Comme vous en connaissez peu, vous les prédicateurs. J'ai dit, au lieu de baptiser votre corps, c'est votre cerveau qui aurait besoin d'être baptisé. Il s'adresse au prédicateur. Comme vous en connaissez peu, vous les prédicateurs, j'ai dit, au lieu de baptiser votre corps, c'est votre cerveau qui aurait besoin d'être baptisé. C'est vrai. Il dit plutôt, c'est exact. Vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir aux choses. Vous n'essayez pas d'y regarder de près. C'est pas moi. C'est William Branham. Allez l'attaquer lui, pas moi. Je termine en disant ceci. Arrêtez de dire que ceux qui écoutent les bandes les écoutent parce qu'ils mènent une mauvaise vie. Vous vivez bien? Que celui qui n'a jamais péché jette la pierre sur cette femme. Arrêtez de dire que le problème c'est pas Joseph, c'est ceux qui sont autour de lui. Nommez les gens qui sont autour de Joseph. Dites qu'un tel a dit que les prédicateurs ne doivent plus prêcher. Dites qu'un tel a dit que le quintuple ministère doit s'asseoir. Nommez les gens. Vous savez que vous adressez à Joseph. Ce que Joseph s'est dit se trouve sur la place publique. Nous publions ça tout le temps. Nous mettons ça à la disposition des gens. Vous êtes au courant de toutes ces déclarations. Arrêtez avec l'hypocrisie. Arrêtez avec la politique de l'autruche. Attaquez-vous à Joseph Branham, pas à quelqu'un d'autre. C'est lui qui a dit que le perfectionnement, c'est pas les bandes. Et moi, je crois ça. C'est lui qui a dit que l'écoute des bandes, c'est la volonté parfaite de Dieu pour aujourd'hui. Moi, je crois ça. C'est lui qui a dit, et vous le savez, que le quintuple ministère doit jouer les bandes. Et moi, je crois ça. J'ai dit amen à tout ce qu'il dit. C'est lui qui a dit que le vrai quintuple ministère, c'est celui qui joue les bandes. Et vous savez qui? C'est lui qui a dit ça. Moi, je crois ça. C'est lui qui a dit qu'il y a groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et il a dit que le groupe 1, il est dans le groupe 1, c'est lui qui joue les bandes tous les jours, en tout lieu, tout le temps. Ce sont les vivants. Et moi, je crois ça. Vous savez que c'est lui qui a dit ça. Mais levez-vous, attaquez-le. Nommez-le, vous avez peur de quoi? Nommez-le quand on fait des vidéos, nommez-le. Si vous ne le faites plus, c'est de l'hypocrisie. Il n'y a pas quelqu'un qui est autour de Joseph qui l'influence, on n'influence pas un prophète. Nommez-le, c'est Joseph. Attaquez-le. Attaquez-le ouvertement, au lieu de vous cacher. Quoi, pour préserver les amitiés qui n'ont même jamais existé? Attaquez-le. Attaquez Joseph, n'attaquez pas quelqu'un d'autre. Oh non, quand un prophète majeur parle, tout le monde doit se taire. Mais pourquoi vous parlez? Pourquoi vous parlez jusqu'à inventer des doctrines? Oh non, on ne peut plus baptiser les gens parce que la seconde venue a déjà eu lieu. Donc lui, c'était, et vous, vous parlez. Et quand nous savons que quand vous mettez à parler, vous inventez tout et rien. Non, 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 non. La personne qui applique ce que vous dites là, c'est-à-dire que quand un prophète majeur parle, tout le monde doit se taire. La personne qui applique ça, c'est Joseph. Voilà pourquoi il dit que tout le monde doit écouter la bande. C'est lui qui applique ça mieux. C'est lui qui connaît même l'importance d'un prophète majeur. C'est lui-même qui connaît combien important est quand un prophète majeur parle. C'est ce qui nous amène à écouter un prophète majeur. Donc vous dites non, quand un prophète majeur parle, tout le monde se tait, mais vous parlez. Troisième Adam. L'âme est enlevée, seulement l'âme qui est enlevée. La seconde venue a déjà eu lieu. Nous sommes déjà dans le millénium. Oh non, on ne peut plus baptiser les gens et toutes ces choses. Voilà ce que vous racontez quand vous parlez. Mais vous voulez faire taire un prophète de Dieu. Ça ne marchera pas. Joseph Branham parle. Il y a un peuple pour t'écouter. Il y a un peuple pour te suivre. Il y a un peuple pour faire ce que tu diras.
Parce que la Bible nous l'enseigne. Les Égyptiens sont allés vers Pharaon, nous allons mourir. Il a dit, allez vers Joseph, faites ce qu'il vous dira. Le monde entier est venu acheter Joseph, le blé auprès de Joseph. Les frères de Joseph sont venus acheter le blé auprès de Joseph. Il était devenu incontournable. Et pour peu que j'ai fait une déclaration en disant que si vous observez bien le message, vous verrez que William Branham vous envoie vers son fils. Les gens ont commencé à dire que non, déclaration comme si, comme ça, c'est du n'importe quoi. Mais vous n'avez même pas compris de quoi je parle. Vous n'avez même pas compris de quoi je parle. Allez lire votre Bible, étudiez votre Bible, vous allez trouver ces choses. Allez étudier votre Bible. Mais si William Branham ne nous envoyait pas vers son fils Joseph, pourquoi son fils s'adresse à l'épouse du monde entier? Pourquoi il dit chère épouse et ça vous dérange? Pourquoi il parle du rassemblement des aigles et ça vous dérange? Et il insiste, il ne s'arrête même pas, il continue à dire chère épouse, j'invite l'épouse du monde entier à suivre telle bande à telle heure, il précise heure de Jeffersonville. Pourquoi il le fait alors? Pourquoi il dit ces choses? S'il n'a rien à nous dire, pourquoi? Adressez-vous à lui, ce n'est pas à moi. Connectez-vous sur le site de la Voix de Dieu, vous allez voir, il publie ces choses, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas un T-Boy ou un frère qui encourage les coups de bande, ce n'est pas nous. Laissez-nous tranquilles. Et vous ne pouvez pas citer non ces choses en disant que tel a dit ceci, tel a dit ça. Il a dit que le ministre ne doit plus prêcher, il a dit que le quinquennat ministère doit s'asseoir. Il a dit qu'elle est... Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi vous dites seulement, oh, eux. Ceux qui sont autour de Joseph, oh, eux, c'est qui? C'est qui, eux? Citez les noms. C'est qui? C'est qui? Arrêtez avec ça. Vous voulez faire taire un prophète? Vous avez le choix de ne pas croire en Joseph. Mais vous ne pouvez pas lui dire de se taire. Vous avez le droit de ne pas croire en lui. Mais vous ne pouvez pas lui dire de ne pas se taire. Vous êtes qui? Et vous dites non, taisez-vous. Qu'il se taise pour que vous puissiez parler. Arrêtez avec ça. Et arrêtez avec les histoires, non, ceux qui écoutent les bandes, ils ont des mauvaises vies. On entre dans vos églises là, vous ne livrez pas les gens au diable. Vous voulez qu'on ouvre les dossiers pour entrer dans vos églises là, pour dire ce qui se passe. Et votre péché mignon, c'est seulement le péché avec la femme et l'argent dans lequel les gens sont tombés. Vous êtes tombés là. Et l'argent, la popularité dans laquelle les gens sont tombés. Quand vous ne voulez pas donner la vraie parole aux gens, c'est la popularité parce que vous voulez plaire aux gens. Le nicolaïsme mélangé, doublé du balamisme, mais c'est pas la peine. C'est un cocktail explosif, c'est terrible. Arrêtons avec ce genre de choses. Vous êtes des serviteurs de Dieu, nous vous aimons. Nous vous respectons. Même si on sait que vous ne voyez pas comme nous et autres, nous vous respectons. Mais arrêtez avec des fausses accusations. Et de toujours dire que non, les gens vivent mal. Vous vivez comment? Vous vivez comment? Que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la pierre sur cette femme. Un homme qui dit qu'un homme est prophète et qui dit ensuite que son enseignement est faux, si ce n'est pas là un moyen détourné de se faire de l'argent, qu'est-ce que c'est? Vous dites que Joseph est prophète. Vous reconnaissez qu'il est prophète. Mais vous dites que quand il dit écoutons les bandes, son enseignement est faux. Il dit vous êtes des soi-disant croyants. Des soi-disant croyants. Il y avait encore beaucoup à lire. Mais j'ai pris beaucoup de temps. Je ne pensais pas que je parlerais tout ça. Mais je veux lire une citation pour encourager les frères qui écoutent les bandes. Qui aiment les bandes et qui aiment le ministère des bandes. Écoutez ceci. William Branham dit ceci. C'est une citation merveilleuse. Elle est tirée du sermon Desperations, poussé à bout. 630901. Frère Branham dit, et je termine par là, à ceux qui écoutent les bandes, à ceux qui ont compris que les bandes, c'est pas une doctrine, à ceux qui ont compris que les bandes, c'est le ministère de Dieu, que c'est le ministère de William Branham, à ceux qui ont compris que les bandes, c'est la volonté parfaite de Dieu pour aujourd'hui, à ceux qui ont compris que le perfectionnement de l'épouse, c'est à travers l'écoute des bandes. Je lis cette citation. Pour vous encourager, William Branham dit, 630901, prêché au soir, Desperations, il dit, alors, vous êtes mon peuple, vous êtes ceux que j'aime, ceux-ci et ceux-là qui écoutent les bandes. Je reprends, alors, vous êtes mon peuple, vous êtes ceux que j'aime, ceux-ci et ceux-là qui écoutent les bandes. Nous serons toujours là. Le message ne peut plus se cacher. Le livre du maître est entre les mains de l'élève. Et tout est là. La partie du message que les gens ne veulent pas lire, là. Nous, on va lire ça. La partie du message que les gens ne veulent pas citer là, nous, on va citer ça. Nous connaissons Joseph parce que Dieu a parlé de lui à travers le message que nous croyons. Nous savons que Joseph est prophète parce que Dieu a parlé de lui à travers le message que nous croyons. Vous avez prêché les mystères de ci, les mystères de ça, les mystères, vous avez tout prêché. Mais vous ne voulez pas parler de Joseph. Que Dieu bénisse
L'âme au repos de frère Romuald Ngalibali qui en son temps a pris le courage avec le peu de lumière qu'il avait en ce temps-là de dire, de prêcher sur l'issue du ministère d'Élie et de parler ouvertement de Joseph Branham. Mais aujourd'hui les gens ont peur, les ministres ont peur. Si Dieu pouvait nous susciter des ministres encore comme Romuald Ngalibali qui pouvaient ne pas avoir peur ni honte mais de venir en public et de parler de Joseph Branham comme il l'a fait de son vivant. Si Dieu nous pouvait nous susciter des prédicateurs de ce genre, des hommes courageux comme cela. Aujourd'hui, toutes les pouces parleraient le même langage en écoutant les bandes. Si on avait des ministres qui pouvaient voir ces choses. Et je le dis toujours dans mes vidéos, où sont-ils les ministres? Où sont-ils les prédicateurs qui peuvent comprendre ces choses et les apporter au peuple? Je le dis toujours dans chacune de mes vidéos. Après, on va dire qu'on est contre les ministres, qu'on est contre le quintuple ministère. Arrêtons avec ces choses. Veuillez me pardonner pour mon temps. Je n'ai pas l'intention de blâmer qui que ce soit. Je parle comme ça. J'aime les enfants de Dieu. J'aime le peuple de Dieu. Et je suis respectueux des serviteurs de Dieu. Et ceux qui me connaissent, qui sont très proches de moi, savent que je suis contre quiconque s'élève contre les serviteurs de Dieu. En parlant ici, je ne suis pas en train de parler contre les serviteurs de Dieu. Je m'élève plutôt contre des esprits qui sont en train de s'emparer de certains serviteurs de Dieu pour pratiquer la politique au lieu de donner la parole aux gens. Et il se lève pour demander à un prophète de se taire. En disant des choses du genre qu'un prophète majeur se parle, tout le monde doit se taire. Ils veulent faire taire un prophète pendant qu'ils parlent pour débiter des fausses doctrines. Non, ça ne marchera pas. Et contre ce genre de choses, tant que je suis vivant, par la grâce de Dieu, je m'élèverai toujours pour mettre la parole en avant. Et pour encourager les enfants de Dieu à faire la volonté parfaite de Dieu, à savoir écouter la voix du septième ange. God bless you. Louis Patriots has sent these Bibles over there, and he said, these Jews come and said, if you will call up a bunch of the leaders of Israel, I mean not these new rabbis with all the ceremonies, but call the real Israelite leaders together. And we have read this New Testament, and we know that when the Messiah cometh, he'll tell us these things. Like the woman at Samaria. We know that Moses said our Messiah would be a prophet. And when you can tell them and show them by the scripture, that which we will get in tonight's message, that they had to be darkened and their hearts cut off so that the Gentiles' face could come, that we'd have a time of reconciliation for the Gentiles, and their hearts were hardened, just exactly like it was the time of Joseph and so forth. And then bring those Jews to a place and call those men from that audience.